Yo, c'est FU. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Black Lover Mobile et surtout de sa bêta fermée avec les préinscriptions parce que les gars, ça y est, on peut enfin se préinscrire et ça, ça fait plaisir. Donc actuellement, ça passe sous forme de pub. Si tu es en Espagne ou au Royaume-Uni, tu as sûrement vu cette pub de préinscription. Donc là, comme tu peux le voir, il se balade sur la page et il y a un endroit, boum, t'as la petite pub avec le Yami dessus. Ou tu peux tout simplement bah, te préinscrire. Donc là c'est parti. Pour l'instant, nous c'est pas encore arrivé. Ça va peut-être pas tarder. On aura peut-être bientôt euh, enfin notre lien avec le français, etc. Parce qu'on ne on sait toujours pas dans les pays dans lesquels tu pourras jouer à cette bêta. On verra bien. Donc a priori pour l'Espagne ou le Royaume-Uni, ça a l'air d'être bien parti. Mais euh, à savoir que bien évidemment, nous on le voit pas parce qu'il oui, faudrait sûrement utiliser un VPN ou a priori une demande d'adhésion. Je pense c'est plus sous forme de VPN. À mon avis, si tu te mets en Espagne ou au Royaume-Uni, peut-être que tu arriveras à tomber sur la pub Facebook. Mais voilà, on va essayer de se préinscrire. On a actuellement les deux liens. Donc là, hop, euh, Jakku qui nous dit qu'actuellement c'est disponible au Royaume-Uni. Donc du coup, il y a achète aussi hein, qui a posté, euh, donc une personne euh, d'Espagne, qui nous a posté euh, tout ce qu'il a en images. Hein. El Ruego Mobile Black Clover. Euh, là, il y a un paquet de liens d'images qui, qui est balancé. C'est une scène hein, pour les préinscriptions de la bêta. Euh, ça fait quand même bien plaisir. On regarde tout ce qu'il y a. Donc le fameux Yami. Hein. Donc là, c'est sûrement celui que tu as au Royaume-Uni, celui-là, avec le Asta. Ah oh là là, les gars. Là, ça fait plaisir hein, quand même. Donc, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que. Vu que je parle pas très bien euh, espagnol, hein, faut se dire. Hein, euh, on va aller sur celui en anglais. Hein, on va aller sur le, le site de prescription anglais. Donc, on va lancer ça. Et on va faire euh, tout petit test. Je vais le faire avec vous pour ceux que ça intéresse. Donc, du coup, tout simplement. Et d'ailleurs, je vous le mettrai aussi en description, bien évidemment. Donc, du coup, euh, les jeux mobiles. Attendez, mais même on peut faire un truc comme ça. Ça, c'est génial. Parmi les types de jeux mobiles suivants. Ok, avez-vous joué le plus au cours des six derniers mois euh, pff, 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 euh, alors on va mettre shooting, allez pour déconner. Action aventure, on parle. Euh, of fantasy, c'est vrai que j'y avais joué un petit peu au début. Mais là on y joue plus trop. Moba, ouais, pas mal en vrai. Et un turnbase, voilà. Ça c'est bien. Euh, Qu'est-ce que j'ai joué sur le dernier mois euh, bah, C'est venu d'une grande grosse, malheureusement je joue plus. Mais c'est pas très grave on va le mettre quand même. Slime CK Memories. Euh, on a joué un petit peu à Bref Soul. On va mettre un de les gens, même si on n'y joue pas, c'est pas grave les gars, on en fait un petit peu des caisses, on aime bien. Dislight, euh... Arknight, tiens, Epic 7 aussi, c'est pas mal. Et puis voilà, hein, c'est déjà pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit euh... Alors là, c'est vrai que j'ai même pas compris exactement ce que ça veut dire. Est-ce est que tu as vu Black Clover, qu'est-ce que tu as aimé ou un truc comme ça euh... Le mieux de votre perception de l'anime de Black Clover. Euh, je l'ai regardé, je suis un fan de Black Clover, voilà, au moins comme ça. Euh, hop! Putain, des fois il y a des trucs, les gars, je vous jure. Euh, de quel genre de personne? Anti-Bird se rapprochera-t-il? Pourquoi il parle du bird? Il parle du petit oiseau. Euh, crafty People, People with powerful mana. Allez, vas-y, on part sur des délires comme ça. Hop, mal. Mon âge. Ah, j'ai mal. Euh, voilà, voilà, les gars, je suis entre 22-25. Je vous laisse essayer de deviner. <laughs> Ma région de résidence, Europe. Et là, c'est là que ça m'intéressait. Parce que du coup, t'as United Kingdom, t'as France quand même qui est sélectionnée, Germanie, etc. Donc, les gars, peut-être que bientôt on oh. l'aura. Euh, moi, bien évidemment, Android. Euh, bah, moi, c'est un Galaxy S21. Là, je vais cacher. Mais en grand, en dernier, on vous demande tout simplement euh, votre adresse email. Voilà, donc euh, là, tu mets... Euh, voilà. moi, je vais mettre mon adresse. Hop, que je vais cacher. Et là, tu fais submit. Et là c'est magique. Voilà les gars, vous êtes inscrits euh, à la bêta de Black Clover. Donc là vous pouvez le faire avec plusieurs comptes. Hein. Si vous avez plusieurs adresses e-mail, vous pouvez tenter. Dans tous les cas, c'est vrai j'ai oublié d'en parler au début de cette vidéo. Je vous invite à rejoindre quand même le Discord parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent bien évidemment sur le Discord ce jeu et qui ont fait énormément de comptes. Donc s'il y a des doublons, des, des clés, etc... On essaiera d'en donner pour tout le monde, donc essayez de venir sur le Discord si vous voulez bien euh, bah, jouer au jeu. Si jamais vous n'avez pas été sélectionné, ça pourrait être sympa. Surtout que je pense que vous êtes beaucoup à vouloir le tester quand même. Hein. Donc voilà les gars pour les dernières news sur Black Clover Mobile et euh, bah du coup quel plaisir euh, de pouvoir se préinscrire et espérer euh, jouer à la bêta fermée très bientôt tout simplement. Donc voilà les gars, si cette vidéo t'a plu N'hésite pas à, euh, comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus la prochaine vidéo. Allez, <laughs> peace tout le monde.